Chers amis, merci. Nous vous invitons à suivre un entretien sur un sujet tout à fait exceptionnel. Nous nous entretiendrons avec M. Jean-Emmanuel Foumbi, chercheur, homme d'entreprise et financier, PDG de l'entreprise Hope Finance. Il se trouve qu'il a été arrêté au Cameroun, où il a passé près de 2 ans de prison. Il en est sorti, évacué sanitaire vers la France, paralysé complètement du côté droit. Il lui a fallu 2 ans de rééducation et après, maintenant, il est en procès contre l'État camerounais. C'est une histoire tout à fait incroyable. Son expérience est tout à fait dramatique parce qu'il est passé presque près de la mort. Mais il en est revenu, il se dit lui-même un ressuscité et il contre-attaque contre l'État camerounais au CERDI, qui est un tribunal international. Nous lui donnons la parole, mais nous ne prenons pas parti. Nous nous contentons du rôle de vous apporter l'information et une information directe par la personne qui a vécu. Chacun jugera, chacun appréciera. Nous n'avons aucune intention d'influencer qui que ce soit dans cette affaire. L'information brute est ce qu'il faut pour que des citoyens informés puissent agir à la fois sur le système et sur les dirigeants et sur la société en général. Enfin, cette histoire est tout à fait incroyable parce qu'elle est au carrefour de 3 courants majeurs de nos sociétés modernes. D'abord, le droit, parce que c'est une affaire de droit. Ensuite, l'économie, parce que de grands enjeux financiers recouvrent cette affaire. Et ensuite, tout simplement, l'humanité. Sans tarder, nous allons accueillir M. Jean-Emmanuel Foumbi et nous vous conseillons de regarder attentivement cette émission et d'en discuter auprès de vous. Merci. Bonjour, M. Jean-Emmanuel Foumbi. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos téléspectateurs et à nos lecteurs? Jean-Emmanuel Foumbi, inventeur, économiste, financier, etc. J'ai fait beaucoup d'études, comme beaucoup de ceux qui arrivent en France. Mais enfin, c'est quand même pas l'essentiel. L'essentiel, peut-être, c'est surtout de souligner ce que ces études nous permettent de faire par la suite. Je suis donc le PDG, le fondateur du groupe Hope, Hope Finance et Hope Service, qui fait dans la technologie, ce qu'on appelle aujourd'hui les FinTech. Et c'est un groupe qui était présent dans 8 pays, donc 6 en Afrique, les États-Unis, la France, et qui employait autour de 200 personnes au moment où tout s'est écroulé. Alors, pouvez-vous nous dire rapidement, en 2 mots, ce que les lignes de produits ou de services de Hope Finance? Nous sommes partis d'un constat simple, c'est qu'on parlait sans cesse de la diaspora comme étant d'une force financière considérable, ce qui est le cas. Mais on a, pendant des décennies, passé le temps en fait à déplorer le fait qu'il était difficile de flécher l'argent des diasporas vers l'économie productive pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'impact, notamment en termes de création d'emplois, en termes d'industrie et autres. Donc nous nous sommes demandé pourquoi les solutions ne pouvaient pas venir adresser ces besoins réels, parce que pour certains pays, la diaspora, c'est jusqu'à 10% du PIB quand même. Et donc, en partant de là, on s'est dit, le transfert d'argent, c'est très basique. Et ça fait des décennies que c'est la même prestation. Vous trouverez rarement des cibles sur lesquelles il y a aussi peu d'innovation. Donc, nous avons commencé à constituer une base de données, parce qu'il n'y en avait vraiment pas. On parle des diasporas et autres, mais en fait, si on veut les qualifier, si on veut la caractériser, vous trouvez très peu de données, concrètement. Donc, on a commencé par le transfert d'argent. C'était dans le 18e, au 97 rue de Clignancourt. Le produit d'appel étant le transfert d'argent, mais à très bas coût, parce qu'on faisait de la mutualisation et parce que sur les marges, on essayait, comme le nom du concept l'indiquait, le transfert servicé, donc avec FIER, pour qu'il y ait une forme d'équité dans les prix. Et par la suite, en fait, une fois la base de données constituée, nous connaissions mieux la diaspora. Nous pouvions caractériser la manière dont ils consomment,
caractériser les paramètres comme la géographie, le pouvoir d'achat, la façon dont les gens s'insèrent, enfin, tout un ensemble d'éléments qui nous a ensuite permis de comprendre qu'il fallait évoluer vers le service. En vérité, personne, ou très rarement, n'appelle de l'Afrique, d'ailleurs, du reste, en disant « j'ai besoin ». Les gens vous disent « je suis malade, j'ai besoin d'être soigné », c'est ça le besoin. Les gens vous disent « j'ai besoin d'aller à l'école », c'est ça le besoin. Mais on a passé le temps à transférer de l'argent très chèrement, en faisant de la queue, en perdant beaucoup de temps, pour ensuite parfois s'entendre dire que les frais de dossier du bac ou du brevet n'ont pas été payés à temps, que finalement il fallait refaire un nouvel envoi avec à nouveau des tracasseries. Et ça, ça se posait au niveau des particuliers, mais on verra aussi probablement au niveau des entreprises et des institutions. Donc, nous nous sommes dit, pourquoi se plaindre de toujours envoyer de l'argent, sachant qu'il y aura, pas toujours, mais enfin souvent, des problèmes. Pourquoi ne pas directement adresser les besoins exprimés par les proches en Afrique? Pourquoi ne pas soigner? Et donc, notre slogan était, lorsqu'un proche est malade, ne lui envoyez pas de l'argent, mais un médecin ou des médicaments. Et concrètement, de manière technologique, il s'agit d'une plateforme qu'on a construite qui permettait aux diasporas, dans le rôle de donneur d'ordre, un peu comme dans le commerce électronique, en fait, d'acheter des prestations, des produits se trouvant localement en Afrique, donc auprès de PME ou d'entreprises africaines en tout cas, et que, en fait, ils achetaient directement pour que les personnes qui leur faisaient la demande d'un besoin ou d'un autre puissent avoir accès aux services qu'ils ont exprimés. C'est-à-dire que nous avions des partenariats avec des hôpitaux, avec des cliniques, avec des pharmacies, avec des laboratoires, également évidemment avec des gens qui vendent dans la quincaillerie, qui vendent dans tous les secteurs couvrant l'ensemble des besoins. Du coup, quand vous vouliez en fait offrir un sac de riz, il fallait juste aller du bureau, de la maison, à n'importe quelle heure, parce que c'est Internet, en fait, acheter le sac de riz, parce que la personne vous a dit qu'elle avait besoin de nourriture et que vous pouviez composer le panier, ou alors peut-être qu'elle vous a demandé le sac de riz habituel ou les frais de scolarité. Donc avec les universités, elles étaient bien contentes d'encaisser directement les frais de scolarité, et du coup, on n'avait pas les problèmes du bac ou des frais, etc. Donc nous avons élaboré tout un panier de services répondant concrètement aux principales demandes des proches en Afrique, sauf que on donnait un rôle moins passif à la diaspora, puisqu'en tant que donneur d'ordre, elle pouvait, sur son smartphone, sur son ordinateur, sur sa tablette, suivre concrètement l'évolution de chaque euro sorti de leur poche, jusqu'au moment où le besoin est pourvu et la satisfaction obtenue. Donc cela nous a donné des prestations comme Hope Santé, qui est une prestation dont articulé autour de la télémédecine, comme Hope Cadeau, qui est une prestation qui vous permettait, par exemple, à un oncle de lui offrir une bouteille de vin. Il ne vous viendra certainement pas à l'idée, pour un oncle qui n'est pas au chômage et qui a plutôt une situation intéressante, de lui offrir 10 euros ou 100 euros, parce que c'est ridicule, voyez. Mais le service a une âme. Si vous lui achetez une bouteille de vin, même de 11 euros, ça a beaucoup plus de valeur que les 100 euros que nous n'oseriez pas lui donner. Et c'est aussi conforme à la culture, à la civilisation africaine, d'un certain côté. C'est plus humain, pourrait-on dire. Et donc, ça permettait en fait de remettre l'humain au centre des transactions pour que la finance et l'argent redeviennent ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire des moyens au service de l'humain. Donc, nous avions tout un portefeuille de prestations dans quasiment tous les domaines, et cet concept qu'on appelait le transfert service, donc on transfère non plus de l'argent, mais des services. Du coup, il n'y a plus les détournements, il n'y a plus la grand-mère de la tante, de la nièce qui, en voulant prendre le taxi pour aller à Western Union ou à MoneyGram ou je ne sais pas où, est tombée en panne et puis finalement l'argent est perdu, des histoires vraiment à dormir debout, mais combien d'entre nous ne les ont pas écoutées. On était sûr de sécuriser, parce que l'achat que vous faites se fait auprès d'une entreprise. Mais l'entreprise, elle ne détourne pas d'argent. Elle vous délivre la contrepartie du bien ou du service que vous avez payé et elle essaye de le faire en respectant la compétition. Donc, on ne va pas vous tromper sur les prix en vous annonçant que les frais de scolarité, c'est 10 000 francs, alors qu'en vrai, l'université les affiche à 9 000 francs. On ne va pas vous les prendre deux fois parce que vous ne pouvez pas payer les mêmes frais pour le même individu deux fois. En fait, on a essayé de mettre le numérique
au cœur, en fait, des préoccupations des proches, des familles africaines par rapport aux diasporas. Et ce concept de transfert service a ensuite été déroulé par rapport aux entreprises qui, elles, parfois, doivent soit vendre, soit acheter, mais n'ayant pas toute l'artillerie ou toute l'étoffe, tout le dispositif nécessaire pour avoir de la crédibilité, elles passent le temps souvent à envoyer de l'argent par transfert d'argent pour payer cash, alors que dans le monde entier, il est connu qu'on pratique 30 jours de paiement en différé, 90 jours, etc. Mais les entreprises africaines se retrouvaient les seules, alors qu'elles sont supposées pauvres, à devoir payer tout de suite, ici et maintenant, cash, chaque article, chaque bien, chaque service qu'elles sollicitaient de leurs homologues à travers le monde. Donc, notre dispositif leur permettait, en fait, de rentrer dans la normalité, donc de pouvoir acheter, de payer avec le différé de 30 ou 90 jours, et quand ils devaient voyager, ils trouvaient notre dispositif. Nous étions au 121 avenue des Champs-Élysées, on était aux États-Unis, on était dans chaque capitale africaine, plutôt dans des adresses qui permettaient aux toutes petites entreprises et aux moyennes entreprises qui ne pouvaient manquer le dispositif, en fait, d'utiliser notre matériel, notre outil, donc nos bureaux par exemple, pour faire leurs transactions avec leurs différents partenaires. Donc ça, c'était en B2B, et nous avons également décliné, et c'est là que les problèmes ont par la suite commencé, au niveau des communes et au niveau de l'État central, notamment des départements ministériels. Les communes, par exemple, de quoi ont-elles besoin? Un maire n'a jamais besoin d'argent. Un maire a besoin d'une école, d'un centre de santé. C'est très concret. Mais pourquoi est-ce qu'il demande un centre de santé et l'État central et les bailleurs de fonds internationaux et tout le monde donne de l'argent? Et ensuite, on se plaint, à tort, disons-le, pas toujours à tort, parfois à raison plutôt d'ailleurs, on se plaint qu'ils ont détourné. Mais ils ne détourneraient pas de l'argent s'ils n'avaient pas à le manipuler. En vérité, le centre de santé ne peut pas être construit par Monsieur le maire. C'est construit par des entreprises spécialisées dans le BTP, avec des maîtres d'œuvre qui font le travail. Et le maire, son rôle serait plutôt d'être une sorte de maître d'ouvrage. Donc le slogan là aussi se déclinait de manière très simple. Si une commune ou une collectivité territoriale a besoin d'un centre de santé ou d'une école, ne lui offrez pas de l'argent, donnez-lui directement une école. Et donc, pour acheter des tables bancs, une association, et non plus seulement des individus, une entreprise qui n'a pas besoin d'être au Cameroun dans le cadre de la responsabilité sociale, notamment les grandes entreprises occidentales qui sont basées au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en tout cas dans toute l'Afrique, et qui auraient déjà une implantation ou l'intention d'en avoir, elles avaient tout intérêt, en fait, à montrer leur responsabilité sociale en venant investir dans ces projets, chose qu'elles ne pouvaient pas imaginer. D'abord parce qu'il n'y avait pas la solution technologique, mais aussi parce qu'elles avaient peur que l'argent donné soit détourné. Désormais, nous pouvions les rassurer en disant, les entreprises, faites ce que vous avez à faire, l'argent ne risque pas d'être détourné, parce que pour être corrompu ou pour détourner, encore faut-il avoir de l'argent, à un moment donné, y avoir contact. Mais si vous donnez, ça veut dire concrètement une école, c'est jamais qu'une somme de sacs de ciment, de sable, de choses extrêmement concrètes qu'on articulait autour d'un devis extrêmement détaillé, fait par des professionnels et référencé sur notre plateforme électronique et qui permettait à quiconque, de n'importe où, y compris parce qu'on parle souvent des diasporas en pensant simplement à l'Occident, mais en fait, il y a les premières destinations des diasporas africaines, c'est d'abord en Afrique. Donc du coup, un Sénégalais qui est basé au Maroc ou qui est basé en Afrique du Sud pouvait lui-même se connecter et dire, dans ce devis détaillé, moi je vais offrir un sac de ciment, ou se mettre ensemble en disant, pour ce qui est des tables bancs, nous allons en offrir 10. Et donc il y avait un fractionnement que numériquement et mathématiquement on sait faire. Et donc nous mettions ces compétences-là au service de aussi bien des diasporas quand elles voulaient investir dans leur commune, ou que des entreprises, pas seulement locales, mais également étrangères, lorsqu'elles voulaient exercer leur responsabilité sociale. Et ce sont ces mêmes compétences que nous mettions au niveau de l'État central. Donc ça permettait de faire ce qu'on appelle de la mobilisation des ressources alternatives non génératrices d'endettement. Parce que lorsqu'une entreprise investit ou donne dans le cadre de sa responsabilité sociale, en fait, elle n'est pas en train d'endetter la commune ou l'État. Elle est juste en train de montrer qu'elle est une entreprise citoyenne. Voyez ? Et donc, ça permet par contre à la commune, en ayant l'école, en ayant le centre de santé, il n'y a pas de problème de détournement ou de corruption.
Et surtout, il y a le fait que la commune n'est pas endettée. Parce que la diaspora qui a fait le geste a donné pour une raison ou pour une autre, l'entreprise l'a fait dans le cadre de sa responsabilité sociale, ou alors le bailleur de fonds, qu'il s'agisse des ONG ou des institutions internationales, pouvait et avait commencé en fait à faire cet exercice-là en ayant donc beaucoup plus de contrôle avec un rôle actif plutôt que d'attendre quand les détournements sont déjà consommés pour venir se plaindre. Donc voilà en quelque sorte le portefeuille produit tel qu'il était décliné sur nos trois marchés, le marché donc des consommateurs, des particuliers en B2C, le marché des entreprises en B2B et le marché des institutions. Et c'est dans le cadre du marché des institutions pour lequel nous étions en partenariat aussi bien avec des communes qu'avec certains États centraux à travers leur gouvernement, notamment celui du Cameroun, depuis 2010, avec beaucoup de projets qui sont allés à leur terme, sans dépassement de délai, sans dépassement de budget, ce qui est plutôt rare dans ce pays si vous le connaissez un peu ou si vous voulez vous renseigner. Et cela nous a, pendant 3 ans, valu beaucoup de satisfaction par le ministère de l'économie, par le premier ministère, en fait par toutes les autorités camerounaises. Si bien que quand on nous a invités en avril 2013 à une mission, une énième mission, nous n'avons pas soupçonné que nous étions en train de tomber dans un guet-apens au terme duquel devait survenir tout ce qui est arrivé et qui est à peine narrable. Très bien. Avant d'arriver à ce que vous appelez un guet-apens, est-ce que vous pouvez, dans les 3 compartiments de vos clients, c'est-à-dire les individuels, les business B2B et les institutions, nous donner un exemple concret de ce que vous avez réalisé. Vous avez parlé des écoles pour les communes. Est-ce que dans un des pays où vous étiez actif, vous pouvez prendre un exemple d'une des réalisations dont vous êtes particulièrement fier? Ah oui, c'est-à-dire que prenons des choses extrêmement simples. Par exemple, la réhabilitation d'une école. En général, les associations, si on vous dit que vous avez l'opportunité de participer à réhabiliter l'école dans laquelle vous avez fait votre école primaire, non seulement vous êtes ravis de le faire, vous le faites spontanément, mais vous mobilisez votre réseau. Et sans que votre réseau soit d'ailleurs des gens ressortissants de votre pays. Ce sont des amis que vous avez, qui n'ont même pas de rapport avec l'Afrique. Et donc, que ce soit au Sénégal, avec beaucoup de communes, que ce soit en Côte d'Ivoire, en RDC, au Burkina Faso, au Cameroun ou encore au Bénin, nous avons avec les communes fait beaucoup de projets dans la réhabilitation, dans la construction des centres de santé, y compris dans la télémédecine, parce que dans des pays comme la RDC ou le Cameroun par exemple, nous avions nos propres médecins avec des investissements dans ce que nous appelions des maisons médicales des MMH, des maisons médicales HOPE, dans lesquelles nous avions investi dans l'infrastructure pour leur permettre en fait d'être en contact avec des médecins de la diaspora ou encore les amis des médecins de la diaspora qui sont souvent leurs professeurs ou qui sont des praticiens qu'ils ont comme amis. Et du coup, ça nous permettait aussi de mobiliser une ressource qui n'était pas toujours financière, mais dont la valeur n'était pour autant pas indéniable. Donc nous avons des témoignages très nombreux de personnes qui ont pu bénéficier de ces prestations, aussi bien en tant que particuliers proches vivant en Afrique, que en tant qu'entreprises parce qu'elles ont pu trouver un nouveau partenaire ou renégocier leur contrat pour avoir des paiements plus avantageux, parce que nous négocions pour eux en Europe ou aux États-Unis. C'est pour ça que nous étions présents à Paris et ici aux États-Unis, aussi bien à Boston que dans le Delaware. Et ils ont comme ça trouvé beaucoup de partenaires, que ce soit pour acheter mieux, que ce soit pour vendre. Et au niveau donc des institutions, ce sont les communes. Et pour l'État, peut-être que le cas du Cameroun va nous parler, puisque là, il s'agissait ni plus ni moins, pardonnez du peu, de la plateforme, là c'est une expression du gouvernement et non pas la nôtre, la plateforme numérique du DSCE, qui est la stratégie de la croissance et de l'emploi du Cameroun. Pour ceux qui peut-être ne seraient pas informés, il s'agit là d'une sorte de business plan du Cameroun qui courait donc sur une dizaine d'années dans le cadre de la vision de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Donc il y avait une première phase qui était décennale et donc était décrit, développé largement dans un document dit DSE et où on montrait. Donc, nous avons construit une plateforme qui permettait en fait de capter, de numériser l'ensemble des préoccupations du gouvernement. Et c'est de cette plateforme-là qu'il était question lorsque j'ai été invité
en tant que PDG du groupe Hope par le ministre de l'économie et où je me suis par la suite retrouvé dans les abîmes. Alors, vous avez dit que vos ennuis commencent donc avec les institutions, et en particulier avec l'institution du Cameroun et l'État du Cameroun. Alors, vous vous retrouvez donc au Cameroun. Pouvez-vous nous dire deux mots sur, d'abord, l'invitation qui vous amène au Cameroun et votre arrestation ensuite? 15 avril 2013, sur le fax, tombe une invitation, en bonne et due forme. Le ministère de l'économie nous invite à participer à une mission, tout frais pris en compte. On est logé, véhiculé, nourri, enfin tout ce qu'il faut, comme des, voilà, comme l'accoutumé. Sauf qu'au terme de notre mission, à l'instant où les procédures du check-in pour d'embarquement sont terminées, nous passons la police avec, et puis on nous interpelle. Monsieur le commissaire, je dois le suivre. Et puis, donc, ensuite, je me retrouve à la police judiciaire de Douala. J'ai toujours pas bien compris pourquoi, mais enfin, on me garde ensuite, on me met en garde à vue, un vendredi, alors qu'il s'agit d'un lundi qui va être un lundi de Pentecôte, donc qui est férié dans ce pays-là. Et donc, on m'arrête vendredi autour de 20h. Je rappelle que la garde à vue... On vous arrête où ? On m'arrête à l'aéroport. À l'aéroport de Douala. À l'aéroport, oui, au moment où je dois embarquer. Et donc, mon passeport est retiré. Le jour, c'est... Le 9 mai 2013. D'accord, oui. Alors que la mission, j'ai été invité le 15 avril 2013 pour participer à partir du 23 avril à une mission qui nous a conduit dans quasiment toutes les régions du Cameroun avec une bonne partie, avec les différents départements du ministère de l'économie qui représentent en fait l'État du Cameroun dans le cadre du PPP, du partenariat public-privé entre l'État du Cameroun d'une part et le groupe Hope dont je suis simplement le représentant légal. Et donc, nous sommes placés en garde à vue. Et au Cameroun, je rappelle encore une fois, la garde à vue, c'est 48 heures. Donc, si on compte par heure, c'est dire à quel point la loi dans ce pays-là, en tout cas au moins dans la forme, attache du prix à la liberté pour qu'on aille à compter par heure. Donc, nous sommes arrêtés à 20 heures le vendredi 10. Et c'est simplement le mardi que notamment un ballon d'or africain 2000 et quelques amis à lui vont débarquer pour déposer des plaintes parce que mardi est le premier jour ouvrable. Après ce vendredi, d'ailleurs, on m'arrête au moment où on n'est plus dans les heures du bureau. Et donc, c'est le mardi 14 mai que les plaintes tombent comme une pluie parce qu'ils ont entre-temps eu le temps, en effet, cela est vérifiable, de faire le déplacement. 6 heures de vol, qui de l'Espagne, qui de Paris, pour aller, alors qu'on est citoyen espagnol, citoyen français, moi-même citoyen français, pour des faits qui ont eu lieu en France, on a pris l'avion pour aller au Cameroun, comme d'autres iraient dans un paradis fiscal. Sauf que là, il s'agissait apparemment, dans l'esprit de certains, d'un paradis judiciaire. Donc on débarque, on est informé que la proie, ou plutôt la cible, est capturée, qu'elle est au frais. Et donc, on débarque le mardi en grande pompe. Et puis, les plaintes sont déposées, des plaintes d'une légèreté, mais complètement fantaisiste, touchant toutes à la personne morale, que je ne suis pas, je n'en suis que le représentant légal. Et concernant d'ailleurs des sujets, des contrats ou des préoccupations pour lesquels les contrats eux-mêmes prévoyaient des clauses attributives de compétences, en disant, en cas de mésintelligence, donc en cas de problème, pour faire trivial, les parties se contraignent, s'obligent, soit d'abord chercher des démarches amiables, et si elles doivent aller en contentieux, elles élisent, par exemple, la loi française et les juridictions de Paris ou de telle ville pour connaître de leurs différends au cas où il en surviendrait. Donc ces clauses compromissoires, ces clauses attributives de compétences ont été complètement ignorées par les juridictions camerounaises au moment où, d'une part, nous sommes placés en garde à vue et d'autre part, puisqu'au bout de 12 jours, le maximum au Cameroun, c'est 48 heures renouvelables une fois avec une motivation d'un magistrat, nous y étions 12 jours de garde à vue.
tout simplement. Et après, il y a eu des mandats de détention, 4, qui sont tombés, comme ça, en cascade. Et donc, pour être bien sûr que nous soyons bien gardés de manière qu'il n'y ait aucun risque, au cas où un juge ou une des juridictions, par exemple du tribunal de première instance ou de grande instance, aurait éventuellement l'idée de nous de dire le droit et de nous libérer. Donc il a fallu multiplier des procédures identiques, hein, toutes les plaintes, d'accord, ce sont des plaintes pour escroquerie.